On est jeudi, Thursday, il est 7h30 du matin, je crois. Je vais commencer à bosser. Je me suis dit aujourd'hui, je vais faire un vlog sur ma morning routine et un peu ce que je fais pendant un jour de travail. So basically, I start very early, c'est-à-dire à 7h du matin, j'ouvre mon PC, je commence à répondre aux emails, tout ce qui est client, budget, flows, ads, campaign, meetings, draw, négociations, tout un tralala. Ben, je commence à 7h du matin, chaque jour. Yeah, so I do it. Parce que je bosse avec les horaires de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Même si à 7h du matin, elle a déjà une classe à de l'échelle, je crois. Mais voilà, moi je suis à Dubaï, du coup je commence tôt. Et dès qu'on est à de la journée, bon, je finis aussi tôt, mais Kenhaoul aussi. Mon développement personnel, c'est-à-dire des cours, certification, faire le domaine de ma vie, comme ça j'ai un peu plus d'avancée, je suis tout le temps updated parce que de l'industrie, on a vraiment besoin d'être l'industrie de l'advertisement, digital marketing, campaigns on Google, Facebook, il y a tout le temps update, c'est de la technologie, du coup, ben, on est obligé de rester aware sur tout. Voilà, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour le breakfast et ce que je fais d'habitude le matin. Let's go! Pour le petit déjeuner, j'ai préparé oatmeal, les noix choufen avec des fruits. J'ai rajouté une banane et des fraises. Et c'est les amlo, qui est une pâte d'amande, enfin un truc fait l'amande et zid yel argan plus du Nutella et des amandes. J'ai préparé aussi un petit verre de thé et je vais manger tout ça en bossant. Une crème de mouche via? Yes, no, maybe. J'ai pas le choix. Guys, je viens de finir le meeting. Je suis mchèche. Du coup, j'ai besoin d'un break. Et franchement, ce que je fais à chaque fois, quand il y a un truc intense ou là, j'ai besoin de souffler, can get a stretching. Donc, j'avais acheté une yoga mat et je fais des mouvements de stretching et tout avant de prendre une douche pour me calmer et reprendre mes esprits. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer ce que je fais et ensuite je vais vous montrer les produits, les cansamels, la douche pour mon visage, ma peau, mon corps. Et après je voudrais bien sortir un chichikawa lihaka outdoors puisque d'abord je veux profiter à fond le weather parce qu'à Dubaï franchement il faisait trop chaud avant mais maintenant c'est parfait. It's between like 27 degrees et l'humidité passe totalement. Du coup, je profite pour sortir et bosser à un endroit plus aéré avec des gens.
J'ai pris une douche après donc les étirements que vous avez vus. Ça m'a fait du bien, ça m'a calmé un peu, mais avec la réunion un peu bizarre que j'ai eue ce matin, bon, j'avoue que parfois, je vous jure, on peut être les clients derrière, mais parfois, t'as envie de frapper quelqu'un. Ça peut sound very aggressive, but sometimes it's. On parle jamais des pressions que les gens nous mettent, le et tout. Ouais, parfois c'est dur à gérer. Il faut garder son calme, il faut bien parler, il faut comprendre l'autre, pourquoi il demande ça, ou là, pourquoi il réagit comme ça, ou là, etc. En fait, il faut avoir des communication skills, comme dans la vie, hein, pour build trust. Pour build relationships avec les clients, etc. Anyways, ça va prendre, je sais pas, une journée. Je voulais vous montrer ce que j'utilise quotidiennement la douche. Du coup, Kane Head Uriage, c'est cleanser. Je l'utilise pour nettoyer mon visage. Bon, c'est vrai que parfois qu'il chauffe, il y a la peau, mais parce que moi j'ai une peau à tendance acnéique, so je préfère avoir le cleanser qui me dessèche un peu donc les parties. Bon, ça fait l'affaire, hein. Après pour éliminer donc, le sentiment de dessèchement, Kendir Head la crème Bioderma hydratante, bon, elle fait l'affaire aussi. J'aime bien, surtout que j'applique le montant, faire de la zone T, etc. Et ensuite, Kendir l'écran total. Surtout faire les parties à quand, et qui sont vraiment exposées au soleil. Je voulais vous montrer la gamme Rituals. Alors là, j'adore, surtout la rouge. Si vous avez la chance, franchement, de trouver la gamme Rituals, le magasin Rituals, parce que ça ne se vend pas ailleurs, prenez-la. Je vous la conseille, ça sent extrêmement bon et ça hydrate le corps, la peau et franchement, moi, c'est trop bon, c'est trop bon. Du coup, n'hésitez pas si vous la trouvez. Et en plus, qui doit être les packages offer, bon d'abord avec les Christmas, Noël et tout ça, je crois que Radikoun a pas mal d'offres. Et un don bzaf dial les gammes, ou kula gamme a une couleur, kula gamme a smell, ou des produits dia spécifiques. Ma préférée c'est la rouge, ça a toujours été la rouge. Après, j'avais acheté un cadeau pour une amie, j'avais pris le produit qu'on met là et fait une réha qui relaxe. On le met avant de dormir, comme ça on a une bonne nuit de sommeil. Et elle m'a dit qu'elle a beaucoup aimé. Du coup, ben voilà, c'était la gamme verte, green. Je pense que c'est l'eucalyptus ou un truc du genre comme ça. Anyways, j'aime beaucoup Head Rituals. Donc, si vous avez la chance ou l'opportunité de l'acheter, n'hésitez pas. Pour mon shampoing, alors, un shampoing que j'ai acheté sur Amazon. Parce que هو اللي لقيته زوين وريحته زوينه وما فيهش سلفات. Et en plus, moi j'avais des mèches blondes et had la gamme had dit la bleue, quatre la couleur haka, l'orange, quatre blonde et donc les teintes de l'orange. Du coup, قربت ça là, je pense que je vais le recommander. Qui dire à moi, c'est un peu cher. Je crois c'est à 90 dirhams émiratis, ça doit être autour de 150, 160. Je sais, pour un shampoing, c'est beaucoup, mais je fais partie vite fait. Voilà. Et j'ai aussi le masque de Dior. Je l'ai pris parce que, en fait, quand on arrive le mall comme ça, et quand j'ai trop le feu, du coup, elle m'a appliqué le masque sur mon visage et
Je sais pas aussi comment elle l'applique ou la houa. Bon, ouais, c'est vrai que c'est un bon produit. Et c'est raha et mes yeux vraiment et tout, ma peau aussi. Donc je me suis dit, vas-y, investis. On a une vie. À chaque fois que j'ai envie de faire achat, on a une vie, vous connaissez. Du coup, je l'ai acheté, et ben, je regrette pas parce que ça s'appelle One Minute Mask. Du coup, je l'applique comme ça pendant 1 minute et la sensation très rafraîchissante et confortable, hydratante et tout. Je vous le conseille. Voilà, du coup, maintenant, je vais juste appliquer un peu de poudre eyebrows. Parce que j'ai envie juste de mettre un truc simple pour sortir. Comme je vous ai dit, un endroit où faire plus d'aération, plus de monde. Sur mon brush total. Je vais appliquer un peu de mascara. Je voulais aussi profiter de le moment pour vous parler de my life updates et de ce qui se passe en ce moment pour moi. Je suis en plein changement, pleine période de transformation, de changement. Entre parenthèses, Ada, c'est le Rimmel London. Bon. Le vert, j'ai trouvé au supermarché, ça marche pas mal. Anyways, revenons à nos sujets, à nos moutons. Ben, je suis en plein changement. Je vais commencer un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps et j'y pensais. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion dernièrement de commencer le planning le projet. Ça va durer 2 à 3 mois, je pense. Et c'est un changement total de lifestyle. J'ai hâte. Si vous pouvez guess en commentaire ce que c'est. Mais ça me donne de la paix, ça me donne l'excitement que récemment j'avais perdu. Moi, je me sentais un peu. La routine d'être très, on va dire. Alors que voilà, donc le petit changement, enfin c'est un grand changement. Hein. Ça va me faire du bien, je vais sortir de ma zone de confort. L'adrénaline, les sensations. Je vous laisse deviner c'est quoi. En tout cas, oui. J'ai commencé le planning et je croise les doigts, ça va se faire bientôt, genre début décembre, mi-décembre. Yes, baby! Yes! Du coup, alors moi j'ai trouvé l'astuce TikTok, ou je pense même chez l'influenceuse que je suis. Elle met le rouge à lèvres, ben, ses lèvres et son nez, comme ça. Et ça donne l'effet je suis bien, je suis bronzée, il n'y a pas de problème. Franchement, ça, j'aime bien. En plus, c'est économique. It's really a saving tip, si vous voulez. Vous avez vu? C'est rose. Hnikad rose. Et je vais aussi mettre un tout petit peu Naya. Juste pour rendre mes lèvres roses. Et après, je vais appliquer Rada, qui est Matte Me, qui est plus nude. Alors, le Matte Me, en fait, ça keep la sensation qu'elle tourne top et après qu'il y a une chef qui voulait voilà neige. Je vais mettre un peu de kohl le coin des yeux pour avoir des cat eyes. Voilà et c'est tout.
Vous voyez, je mets pas de foundation or anything. Je vais juste mettre des boucles d'oreilles que j'avais achetées, je crois Zara ou la H&M, je me rappelle plus. Ils étaient design, j'ai trouvé ça design. C'est pas le doigt comme ça. Je trouvais que ça faisait élégant, je sais pas. J'aime bien. Et voilà.